Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Alan Wake 2. Évidemment, 4K 60 FPS. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et on continue notre visite. Évidemment, le jeu devient de plus en plus bizarre. Déjà, pour être honnête avec vous. Mais surtout, de plus en plus fou parce qu'on se pose toujours des questions et c'est ce que j'aime justement dans les jeux vidéo comme celui-ci. Ok, des toilettes, des coulisses vides. Là, les gars, ça présage rien de bon. J'ai une clé de sous-sol qui va me permettre, vous l'aurez compris, d'aller justement dans le sous-sol pour récupérer quelque chose que, apparemment, moi j'aurais laissé. Et le concierge a dit des trucs extrêmement intéressants tout à l'heure. C'est ma loge, Alan Wake. Oh, je me réveille à chaque fois dans ma loge. Ok. Ok, 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 ok. On a un petit piano. On sait pas ce qui est vrai, on sait pas ce qui est faux. C'est trop, trop cool. Puis ce mélange vrai acteur et tout, c'est aussi quelque chose. Hein. Oh, waouh. Oh, waouh. Attendez. C'est moi qui suis fou? Ou c'est le monde qui est fou? Vers le sous-sol. Ok. Ah oui, c'est vrai que c'est comme ça pour faire un demi-tour rapide et j'y pense jamais. Vers le sous-sol. Ah, c'est là. Basement. Ok. Ok, ok. C'est bizarre comme quoi ça, tout ça, ça réagit sur notre cerveau. De se dire que plus on s'enfonce sous terre, plus on a l'impression qu'il va se passer des choses terribles. Et plus on dégloutit limite. Parce qu'on n'est pas serein, quoi. C'est en train de m'indiquer qu'il y a une lampe là-bas. Alors là, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Ok. Et là, c'est bouché. Une vieille lampe dans une boîte à chaussures. C'était ça que le concierge m'avait laissé. Ok. C'est bizarre. On dirait un sceptre. La lampe semblait importante. Elle permettait d'éclairer les ténèbres. Ok. Il y avait comme une attraction magnétique entre la lampe et la lumière au-dessus. Quand la lumière jaillit dans ma lampe, toute la pièce changea. Une vision onirique. Oh, une voix s'ouvrait devant moi. La lampe bourdonnait. L'ampoule brillait. Elle gardait la lumière. Je pouvais peut-être la redéplacer pour créer une issue. Oh, waouh! Ok. Je comprends rien. Ça a changé la pièce. Oh. Je sentis un autre élan dans la lampe. Ma lampe s'éteignit alors, sa lueur rejoignant la lampe de la pièce. La lumière bâtissait quelque chose dans le noir. Non mais les gars, ça me retourne le crâne là, hein. Ça me brûle la gueule. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok. Ça nous a permis de passer donc de l'autre côté.
C'est quoi ce délire là? Ok. On peut monter, on peut descendre, on peut aller à gauche, à droite. Qu'est-ce que c'est? Ok, on va voir ce que ça a changé. Ça a changé la porte du sous-sol. What the fuck? Et faut à chaque fois... Faut apprendre la sortie. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Je comprends pas ce qui se passe. Aucune charge. Ok. Waouh. Donc je suppose... Je dirais même que je suppute... qu'il faut réussir à garder cette porte et donc à modifier la réalité. Je devais trouver une autre issue. Bon. Je crois que j'ai trouvé. Ok. Je crois que j'ai trouvé. En tout cas, la magie du SSD, c'est ça, les gars. Ce que vous êtes en train de voir. Hein. C'est exceptionnel. Ok. C'est bon. L'antre noir veut me noyer. Je vais perdre mon âme. Je dois me battre. Il faut que je me souvienne. Le rupteur. L'interrupteur. Je l'ai perdu. Mais j'ai la lampe maintenant. Celle d'où vient le rupteur. Ce lieu est cauchemardesque. Irréel. Et on ne peut plus réel. Le danger et l'horreur sont manifestes. Ils me rongent l'esprit. Transformant tout ce qu'ils peuvent en une réalité psychotique. Je suis piégé. J'ai créé pour m'enfuir. J'ai essayé 100 fois, écrit des tas d'histoires. Je ne saurais dire combien. J'échoue toujours, mais je dois persister. J'utilise l'histoire pour plonger plus loin. Chaque mot que j'écris est un pas de plus dans cette spirale vers les ténèbres. Je plonge vers le fond pour trouver une réponse. La carte, la clé, la boussole, combinées pour former une porte. Mais comment ouvrir une porte qui n'en est pas une? Tout au fond d'un océan qui n'en est pas un, d'un lac qui n'en est pas un. Fin de la partie. Trophée Talk Show. Ok. Bon. Ça laisse réfléchir. Alors, il paraîtrait que les musiques de fin de chapitre sont libres de droit. Voilà, c'est autorisé de les diffuser et tout. J'ai trop kiffé le passage avec Alan Wake, là. On comprend rien. Enfin, on arrive à discerner des petits trucs au loin, mais on comprend pas le détail, évidemment, et ce qui se passe réellement. Mais waouh! En vrai, c'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose que j'ai vraiment kiffé. C'est une phase que j'ai trouvé extrêmement intelligente. On a presque eu un résumé d'Alan Wake qui plus est, donc... Donc ça fait plaisir, quoi. C'est trop, trop bien. C'est trop, trop bien. Oh, on continue. J'ai cru qu'on allait retrouver Saga. Sortir du studio. Ok. Boîte à chaussures. Ah, on peut mettre des choses dans la boîte à chaussures à récupérer plus tard. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Qu'est-ce que c'est que cet enfer, les amis? Oh, oh, oh. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Ok. Bon. Donc je suppose que si je fais ça... D'accord, ok. C'est évident. J'ai toujours pas d'armes. Hein. Je sais pas si on va affronter des choses ici.
Je sais même pas où on est concrètement. Ah! Le téléphone sonnait. D'instinct, je sus que c'était pour moi. On est à New York. Que c'est beau. Carte de New York. L'antre noir. Allô? Alan Wake. Oui. Vous savez qui je suis? Non. Qui êtes-vous? On verra ça plus tard. Il y a des yeux curieux partout. Des ombres. Une impression de déjà-vu m'envahit. Avais-je déjà eu cette conversation? Alan, écoutez-moi attentivement. Station Caldera Street, le métro. Vous devez vous y rendre. Je vous rappellerai plus tard. Veillez à répondre. Je vous connais. Votre voix m'est familière. Vous avez encore oublié. On est dans le même camp. Pas d'inquiétude. Je m'occupe de vous. On est pour ce front. Je vous entends plus. Allô? Allô? Ça serait pas Nightingale? Bon. Ok. Cassie. Initiation 2. J'ai un pass de métro. L'homme avait dit station Caldera Street. Je devais m'y rendre. J'ai des radios. J'ai ma carte. Station Caldera Street, c'est dans la rue à droite. Très bien. Et plan d'intrigue. C'est bien, j'ai pas de preuve à mettre. La lampe ange. Alors. Le concierge semblait me connaître, mais il s'était trompé de nom. L'avais-je créé grâce à mes écrits? Il avait dit que j'avais laissé quelque chose dans le sous-sol, un outil pour fuir. J'ai trouvé la lampe dans une boîte à chaussures au sous-sol. Un outil pour repousser les ténèbres. Dans la lumière, une nouvelle réalité émergeait, sculptée dans l'obscurité. Sur les écrans de sécurité, je me suis vu en train d'écrire dans la pièce de l'écrivain comme un fou. Mais ce n'était pas ce que j'écrivais actuellement. Une vision du passé que j'avais oubliée. Le New York de l'entre-noir. L'entre-noir avait pris la forme de New York. J'étais originaire de cette ville. Depuis des années, j'écrivais des polars l'ayant pour cadre. J'influais sur mon environnement. Un inconnu avait appelé à la cabine téléphonique. J'avais l'impression de le connaître, mais impossible de l'identifier. Il me disait d'aller à la station Caldera Street. Eh bien, on y va, hein. On y va, hein. J'ai pas d'armes, j'ai rien. Regardez. L'affiche du film cassé. Oh, ça fourmille de détails. Hein. Le panneau indiquait la station de métro, mais elle n'avait pas d'entrée. Je devais la faire apparaître. Je pouvais tester la lampe pour faire apparaître l'entrée. La lampe ne fonctionnait pas. Il allait falloir trouver une lumière. Oh, les bâtards. Là. Non. Non, là ça marche pas. C'est pas une lumière assez forte. Ça, c'est pas une lumière, je connais ça. C'est pas une lumière qui permet de vaincre les ténèbres. La lumière du feu, c'est sûr. Oh, les bâtards. Impossible d'ouvrir depuis ce côté. Oh, les bâtards. Je déteste ce qui se passe. Il y a une lumière derrière. Il y a une lumière derrière. Il y en a aussi une ici. Ne pas écrire return. Oh, waouh!
Vous avez vu ce qu'il y avait écrit? Peut-être les lumières de la fontaine? Non, pas assez puissante. Night Springs. Je suis sûr que ça fourmille de... d'indices, de trucs un peu bizarres. Oh les bâtards. Il y avait une lumière au bout de la ruelle, droit devant. Illumination. Ok, ça va tout dire ça. Regardez. Bon. Est-ce que c'était comme ça sur la page? C'est pas vrai. Bonjour. On s'est vu chez Porte. Alan Wake, l'écrivain. Je suis Alex Casey. J'enquête sur un meurtre. Non, mais... c'est une blague. On a retrouvé une preuve. Le manuscrit d'un roman. Vous savez ce que c'est? Un manuscrit? Quel manuscrit? Il faut que je le voie. Apparemment, ce manuscrit contenait tous les détails des meurtres. Une secte meurtrière s'inspirait de l'histoire pour commettre des actes monstrueux. Wake serait leur chef. Il aurait écrit ça. Jusqu'où irait-il pour créer une œuvre d'art parfaite? Où serait-il la prochaine victime? Bougez pas. Non, hé, j'ai besoin d'une arme. Hors de question. Je veux pas vraiment savoir. T'échapperas pas à ce qui t'attend. Ok, la fameuse bombe poche. La voix de la lumière. Bon, on est parti. Et un guntard à l'époque. C'était un écho des livres que j'avais écrits toutes ces années. En prenant l'arme de Casey, j'ai eu l'impression de prendre le rôle d'un enquêteur. J'avais de la lumière. Je devais retourner à l'entrée de la station de métro. Merde. Une fois l'allée dans les ténèbres, des ombres me bloquèrent la route. Ok. Je pensais pas que je pouvais les souiller. Waouh! Je sais toujours pas ce qui se passe, mais c'est incroyable. Ok. Permet d'esquiver les attaques ennemies. Arrête. Les ombres s'estompaient. Tu réapparaissais. Elle tentait de m'arrêter. Avec mon arme et ma lampe, je pouvais me battre. Mais là, les gars,
Fin de rêve là pour moi? C'est dur hein les esquives hein. Ouais mais je comprends pas, il y a des ombres tu peux niquer, il y en a tu peux pas les toucher à haut. La lumière pouvait m'aider à ouvrir l'entrée du métro. Je peux me soigner? Je crois que ça soigne un petit peu. Ok. Super. Bon, point trop d'infos, mais... N'oubliez pas d'utiliser des abris pour vous cacher et récupérer de la santé. Attends, il m'a... Pourquoi il me met en mal comme ça, là? Il se passe quoi? Oh là 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 là! Allez, go! Go, go, go! Station Caldera Street. Je vais trouver une autre lumière pour aller plus profond. Oh, j'ai trop peur. Il y a quoi là-dedans? Quel superbe. Sugoi. On va commencer à bien faire les choses. Il y a des inventaires pour tout le monde. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Superbe. Aucune charge. Donc ça sert à rien là. Ça sert à rien. Oh. Ok. Eh ben écoutez, on remonte. Tranquille main. Et on va essayer de chercher. Ah, je sais où aller. Attends. Non, je sais où aller, petit coquelicot. Regarde-moi ça. On va la foutre là-haut. Voilà. Waouh, c'est ultra ingénieux. C'est trop, trop stylé, ces phases-là. Ok. Rien à faire, FAR. Ne pas écrire. N'écris pas. Plus précisément. Très bien. Bah j'écris si je veux, ok? J'ai trouvé. On va aller de l'autre côté grâce à ça, c'est ça? Je suis pute. Ok. Merde. Ouais, mais les gars, on sait pas si on est dans le passé, dans le turfu, dans le plus que parfait. On est des merdes. On est des putains de nerds. Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'avais écrit des livres sur Alex Casey pendant des années. Quelque chose subsistait. Une phrase tirée d'une histoire oubliée. Ok. Ah.
tentait de balayer les péchés de cette ville. Mais certains, les preuves de crimes ayant été commis ne pouvaient être gommées. Pas par la pluie, ni par les séances thérapeutiques du docteur Jack Daniels. Ils restaient comme des hématomes sous ma peau. Et même, dans mon âme, des cicatrices sur mon cœur. La pluie ne cessait jamais. Et je n'ai jamais cessé de boire. Ok, c'est un écho. Je sais pas si ça peut me tuer, je sais pas si ça peut me faire du mal. C'est terrible. Ah, les signes de la secte. Ok. Eh ben écoutez, on va save. Boîte à chaussures, j'ai rien à y mettre. Le problème, c'est que je me dis qu'au bout d'un moment... Il y a un fredonnement là-bas, mais il y a des flèches qui me disent d'aller là-haut. Il y a une flèche qui me dit d'aller en bas. Il y avait quelque chose de caché. La lumière le révélerait. J'avais trouvé une page écrite. Des mots répétés encore et encore. Les mots résonnaient par là au sens. Les avais-je écrits. Les mots de pouvoir peuvent être utilisés pour rendre Alan Wake plus fort. Ok. Oh, ok. Restore 50 de santé par seconde lorsque vous amplifiez la lumière de votre lampe-torche sur les hostiles, les ombres hostiles. Offre 10% de chance d'étourdir les ennemis en amplifiant la lumière de la lampe-torche. Offre 25% de chance de récupérer une charge de lampe-torche en tuant un ennemi. Bon, ouais, on peut partir là-dessus. Hein. Mot d'arme, mot d'aide, mot de guerre. Waouh! Waouh! Wow. Perdu. Oh wow. Il y avait un truc qui chantait au-dessus. Il y a encore un truc au-dessus. Beaucoup trop de choses. Oh, petite planque, je prends. Très bien. Des pills. L'avoir dompté, que vous saviez parfaitement ce que vous faisiez. Erreur fatale, à moins d'avoir du poids. Et vous ne méritiez pas d'avoir du poids. Le temps de cligner des yeux, le temps d'une rêverie et la sortie de secours qui devait être votre issue avait disparu. Elle n'avait jamais existé. Vous aviez fait demi-tour quelque part sur votre chemin. La ville surgissait pour venir vous achever. Et il n'y avait aucune issue. Ça me plaît toujours. Ok. Je sais pas exactement où je dois aller utiliser la lumière pour entrer dans la station. Il y avait un truc ici, putain. Oh.
Oh non, c'est un raccourci. C'est terrible. Peut-être que c'est pas bien ce que je fais. Hein. Je sais pas. Hein. Les amis, on va s'arrêter là en tout cas. On se retrouve pour le prochain épisode. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. À bientôt tout le monde. Waouh, tellement de questions.